Les gars, si vous faites des portes comme ça, il faut arrêter parce que bon, je vais vous donner une petite technique qui est un petit peu particulière, mais vous allez voir que ça fait son effet. Donc, pour commencer, vous allez casser la porte et ensuite vous allez mettre de la redstone juste en dessous et vous allez mettre un petit portillon. Et par-dessus ce portillon, vous allez mettre un tapis pour camoufler le tout. Vous allez mettre un bouton pour pouvoir l'activer parce que sinon vous ne pouvez pas rentrer, quoi qu'il arrive. Mais en plus, ça marche aussi sur les monstres. Donc, j'ai fait spawn un zombie, je me suis mis en survie et voilà, le zombie est complètement con, il peut pas m'atteindre. Et n'oublie pas qu'on est dans la maison, abonne-toi.